sur le fait, c'est le poids. Когда подавленный рассудок под тяжестью боли, моими криками, моими вздохами, жалобами и плачем, значит, под этим весом я молил Господа о том, о его присутствии рядом со мной, рядом с ним, каждый, кто страдает, чувствует себя все же человеком. Difficile, c'est du français ancien. Четвертый писал. Я думаю, что, может быть, понятно будет уже. Non. Après, on reparlera de la codification. И потом мы обсудим по поводу кода и жестов. Quand l'esprit t'accable sous le fait des douleurs, par mes cris, mes soupirs, mes plaintes et mes pleurs, j'implorais du Seigneur l'invincible assistance. Lui qui sent tous les maux que sentent les humains, à mon âme étonnée a rendu la constance, la paix à mon esprit, et la force à mes mains. J'aperçois tous les jours, dans l'état où je suis, cruître de mes ennemis et de force et de nombre, n'écoute point leurs vœux, dissipe leurs desseins. Seigneur, entends ma voix, couvre-moi de ton ombre, et qu'en tout temps, je trouve un asile en ton sein. Donc ça c'est vraiment le grand style, vous voyez, des choses très... Avec des gestes très amples. Oui, tout à fait, sauf que à la chair, il ne peut pas être... à genoux, parce que la barre serait ici. D'accord. Donc en fait, le prédicateur, vous voyez là, on voit tous mes points d'appui au sol. Le prédicateur ne se soucie pas trop de ses points d'appui. Puisqu'il a la chair et la... qui arrive à peu près à cette hauteur-là. Donc il ne travaille que par, qu'avec le haut du corps. Oui. Tout à fait. Donc en style modéré, donc ça va être tout ce, comme je vous ai dit, tout ce qui va être lien avec l'amour. Donc je vais vous faire un petit extrait de... un madrigal, juste un petit quatrain. Прочитаю вам буквально четверостишие из одного мадригала. Sur une fleur. По поводу цветка. La violette. Фиалки. Que donc extrait de la guirlande de Julie. Которую была в гирлянде Жюли. Voilà, que nous ferons d'ailleurs avec les musiciens de Catherine Lagrande lundi. Мы, кстати, эту гирлянду будем делать. Voilà, donc Julie était c'est un personnage historique, c'était Julie d'Angenne. Julie est un historique personnage, famille au niveau d'Angenne. Voilà, merci. Julie d'Angenne qui était la fille de la comtesse de Rambouillet. Она была дочкой графини Рамбуйе. Qui était une grande précieuse du XVIIe siècle à Paris. Précieuse, oui. C'est une, on va dire une intellectuelle. Жеманница, вот это у Маньера жеманница называется в песне как-то. Смешные жеманницы. У него свой салон литераторский. Oui, qui tenait donc un salon. Voilà, où tous les poètes de l'époque et les grandes figures aussi politiques. Куда приходили
политические люди и поэты. Passaient et vantaient la beauté de cette comtesse et de sa fille. И пели дифирамбы красоте этой графини и ее дочери. Et parmi ces personnages qui côtoyaient ce salon, et parmi, среди прочих, кто приходил в этот салон, il y avait le duc de Montausier, был герцог Монтозье, qui était amoureux de Julie d'Angennes. Влюбленный в Julie d'Angennes. Et pour essayer d'avoir la belle, pour pouvoir se marier avec elle, et чтобы ее соблазнить и жениться на себе, il demande à ses amis poètes он просит своих друзей поэтов d'écrire chacun un madrigal sur une fleur, написать, каждый, каждый написал мадригал по, насчет цветка, pour créer une couronne, и создать корону, ну, венок, vantant la beauté de Julie d'Angennes. Венок, который бы воспевал красоту Julie d'Angennes. Donc c'est un beau volume de à peu près une soixantaine de poèmes. Ну и этот том где-то 60 стихов. Que le duc de Montausier offrit à Julie d'Angennes. Который герцог Монтозье подарил Julie d'Angennes. Mais il faut savoir que Julie d'Angennes accepta d'épouser le duc de Montausier qu'au bout de 25 ans de cours assidus. Но надо знать, что Жюли Д'Анжен в итоге вышла замуж за герцога де Монтозье, но спустя 25 лет ухаживания всех. Mais il a réussi. Но у него все же получилось. Okay. Donc, oui, si tu peux, voilà, traduction de la Violette. От всех устремлений свободный я прячусь в траве. В окрасе своем я скромный, скромный в своем бытии. Но если однажды на вашем челе смогу я увидеть себя, самый смиренный из цветов, всех превзойдет красотой. Franche d'ambition, je me cache sous l'herbe. Modeste en ma couleur, modeste en mon séjour. Et si sur votre front je me puis vouer un jour, la plus humble des fleurs sera la plus superbe. Vous voyez? Vous voyez la différence avec la même technique? La différence de style. Et pour illustrer donc le style plutôt comique, je vais vous faire une des fables de La Fontaine, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Я прочитаю басню Ла Фонтена, которую, может быть, вы знаете, про лягушку, которая хочет быть более толстой, чем... Bon, malheureusement, j'ai pas le texte pour que tu puisses faire la traduction. Ну, текста нету, но... Ça devrait aller. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc! Point de doute, m'y voilà! Vous n'en approchez point, la chétive pécore s'enfla si bien! Et le pleuva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Voilà. Et tout ça, c'est avec la même technique. Et j'ai pu, sur la ferme de La Fontaine, je me suis baladé un petit peu sur scène. Si vous заметили, в басне я немножко ходил по сцене. Ça, j'ai le droit de le faire que dans le bas style. Я только в низком стиле имею право это делать. Ok. Alors, on va peut-être, avant d'attaquer ce qui va être la technique de geste, on va commencer par parler de la prononciation. Ну и перед тем, как приступить к жестам, я бы хотела сначала поговорить о произношении.